Il est une chose que nous faisons sans cesse, sans même nous en rendre compte. Une chose qui nous complexe et nous angoisse, que nous passons notre temps à éviter, mais qui s'avère inlassable. Vivre, c'est vieillir. On ne sait quand ça commence, et on ne saura jamais quand ça s'arrête. Processus inexorable de l'existence, nous vieillissons au rythme des secondes, toujours un peu plus vieux après celle qui vient de s'écouler. Et puis un jour, ça y est, la jeunesse a disparu dans le miroir. Le temps est passé sur nos visages où des lignes se dessinent. Des taches brunes parsèment nos mains. Les fleurs de l'âge ont éclos sur nos corps. La dernière étape du voyage, le bout de la vie, le moment où le temps se fige. Notre destin à tous qu'est la vieillesse, l'autre nom de l'avenir. Que se passe-t-il à ce moment de la vie? Quel rôle jouer dans le monde? Comment y prendre part? Encore. Des questions qui résonnent avec l'image que nous avons de la vieillesse, considérée parfois comme indigne et dégradante. Nous avons une extraordinaire tendance à construire des représentations désastreusement négatives de la vieillesse. Spontanément, nous avons tendance à regarder la vieillesse comme un problème, comme une maladie, pire encore, parfois, comme un délit. Délit dont se rendent coupables tous ces vieux qui n'ont pas l'élégance de quitter la scène avant de commencer à coûter de l'argent. Forcément, on ne voit que le gars qui est gaga et qui n'en peut plus et qui est abandonné tout seul dans un coin. C'est épouvantable, mais je crois qu'il faut restaurer ça. On est vieux, il n'y a rien à faire. Mais à partir de quand devient-on vieux? Biologiquement, socialement. La retraite, mais aussi la grand-parentalité, ou les problèmes de santé, sont des marqueurs de ce basculement vers la vieillesse qui reste relative selon les individus. Car nous sommes toujours le vieux de quelqu'un d'autre. Vous savez qu'à certains âges de la vie, vers 10 ans, on commence à voir moins bien. Vers 20 ans, 30 ans, on commence à entendre peut-être un peu moins bien. Donc c'est très progressif. Mais est-ce que pour autant on est vieux? Ça, c'est une très bonne question. Se sentir vieux, ce sont des petites étapes. Je pense que tout à coup, il y a des aspects de nous qui vieillissent, mais pas tout à la fois. Alors c'est notre devise qu'on a trouvée dès le départ. C'est plus si jeune, c'est sûr, mais pas si vieux. C'est-à-dire, on n'est pas encore mort. Vieux, senior, aîné, aïeux. Comment parle-t-on de ceux qui ne sont pas encore morts? Comment la société s'adresse-t-elle à ces vieux? Quels mots employer pour parler du grand âge? Et que disent-ils de notre façon de considérer la vieillesse? À cause d'un classement des populations entre les actifs et les inactifs, autrement dit, les productifs, les improductifs parasites, voilà, les vieux, coupables d'être encore là. Parce que les mots me font agir, il est fondamental d'observer, de regarder, de comprendre la manière dont nous parlons, de transformer cette manière dont nous parlons. Alors, est-ce qu'on a le droit de dire vieux? Bah ouais, c'est quand même pas une insulte, enfin. Vieux. Il n'est plus pensable de parler de placement. Enfin, c'est un objet qu'on place et qu'on déplace, d'accord? Mais les vieux, on les place pas, on a à les accueillir. À domicile, même chose, et le service qui vient m'aider, etc. Non, c'est pas un service de maintien à domicile, c'est un service de soutien. Et vous ne venez pas chez moi de la même manière, vous ne vous adressez pas à moi de la même manière si vous venez me maintenir, si vous venez me soutenir. Accueillir et soutenir. Faire attention à son vocabulaire pour comprendre le poids des mots. Car certains mots nous font vieillir plus que le temps. Personne ne voudrait plus tard se retrouver isolé par les mots de ceux qui ne nous considèrent plus comme un des leurs. 300 000 personnes âgées en situation de mort sociale. Cette expression « mort sociale », elle est terrible, elle dit
à quel point l'isolement, la rupture des relations sociales, familiales, sociales, etc., à quel point la rupture des relations peut être mortelle. Sortir de chez soi peut devenir quelque chose de plus difficile. Il y a une histoire qui est absolument merveilleuse. C'est une dame que je connais. Elle était un peu déprimée, elle n'avait plus envie beaucoup de se coiffer, etc. Un jour, elle sort comme ça. Tout à coup, elle voit quelqu'un dans la rue qui a vraiment l'air dépenaillé, qui a vraiment l'air triste. Quand elle se dit « Oh là là, ben je vais aller lui parler », elle s'approche et elle s'aperçoit de quoi ? C'était un miroir. Il y a une chose de notre apparence, on porte sa vieillesse. Hein. Comment porter la vieillesse aujourd'hui ? Dans le regard de l'autre, dans la société, apprendre à vivre vieux sans faire semblant de rester jeune. Ne pas obéir aux injonctions sociétales qui pointent du doigt une vieillesse honteuse, mais apprivoiser le temps long du grand âge. Car il faut bien que vieillesse se passe. Il nous faudrait donc ne plus vieillir. Mais bien sûr, et c'est compris dans ces espèces de slogans publicitaires, plutôt sympathiques évidemment, mais incroyablement manipulateurs, il faut vieillir, ouais, ben oui, vieillir et rester jeune. C'est cette idéologie qui vous interdit d'avoir des rides, qui vous interdit de porter les signes de la vieillesse, parce qu'ils envoient de vous une image considéré comme dégradé. Cette image qui écorne la vieillesse, cette disqualification permanente du savoir et de l'expérience des anciens, insiste trop sur ce que l'on perd et pas assez sur ce que l'on gagne, et ce qu'il nous reste à découvrir à ce moment de la vie. Je pense que notre humanité, nos désirs, nos capacités changent avec l'âge et on est atteint par un tournant. Ça correspondait, en tout cas à une époque, avec le moment où le rôle familial redevenait important, c'est-à-dire où on pouvait devenir grand-parent. Ce commencement de vie qui apparaît à nouveau nous fait apprécier des émotions qu'on avait oubliées. Mais c'est tout nouveau, c'est neuf, c'est une émotion neuve. Comment reprocherait-on à des adolescents de croire que le monde commence avec eux si on ne leur a pas ouvert les yeux sur le monde qui les a précédés? Alors, si vieillir n'est pas une défaite, pourquoi en avons-nous si peur? C'est toujours la peur de la mort qui vient de la maladie, de la mort, de la dépendance, du handicap, etc. La peur de la mort qui vient alimenter cette peur de la vieillesse. Je me souviens, permettez-moi cette petite anecdote, je me souviens comme ça d'une dame un jour, 93 ans, elle est accueillie dans un EHPAD, je la rencontre, on parle un petit peu, et au bout de quelques minutes d'échange, elle me prend la main et en pleurant, elle me dit « Que voulez-vous ? C'est quand même pas de ma faute si je suis pas encore morte. » Toute notre vie, nous nous demandons à quoi elle ressemblera juste avant la mort. Ce que nous faisons à nos aînés, c'est ce que nous vivrons plus tard. Regardons à travers eux notre sort en face. À quoi ressemble le bout de l'existence? Comment vivent nos grands-parents? Domicile, EHPAD, maison de retraite, résidence. Où vivent-ils? Que voient-ils? Par quoi sont-ils entourés? Qu'est-ce qui habite la vieillesse? La plupart des gens vieillissent chez eux, heureusement, je dirais. Ils sont dans une maison de retraite qui est plus ou moins médicalisée, selon leur état, quand ils ont vraiment besoin de cela et qu'ils sont devenus dépendants. Et la dépendance est maintenant quelque chose qui arrive très tard. La moyenne d'âge d'entrée en EHPAD est pas loin de 87-90 ans. Donc vous voyez, c'est vraiment le grand âge. Les facultés diminuent naturellement avec l'avancée en âge. Parfois, l'autonomie et le quotidien deviennent difficiles. Les autres s'installent dans nos vies et la décident à notre place. La crise du Covid-19 qui a frappé le monde a cristallisé cette perte, ce lâcher-prise social, cet abandon de la vieillesse que les décisions extérieures sont venues contraindre. La période du Covid
a entraîné un isolement beaucoup plus important. Les visites sont devenues interdites dans les chambres, les visites entre malades interdites également. Donc, je ne voyais plus tous ceux avec lesquels je déjeunais à table et avec lesquels j'avais l'habitude de discuter. Quand il y a eu ce confinement catastrophique, ils n'ont pas participé à la décision de ne pas sortir, de ne pas voir les gens. Ils ont été soumis. Si vous voulez, là, il y a un mode qui vous exclut des voix. C'est comme une démocratie qui ne fonctionne pas, ce qui est un peu le cas. La voix et la possibilité d'avoir quelque chose à dire sur sa propre vie. Je crois que la pandémie révèle que nous sommes capables, pour protéger, confiner, en confinant, d'isoler, et en isolant, d'enfermer. Quand vous êtes dans un endroit dans lequel vous n'avez pas votre mot à dire sur quoi que ce soit de ce qui se passe, il y en a beaucoup dans lesquels on est en caserne. Et en caserne, qu'est-ce que c'est ? C'est l'obéissance, c'est la soumission. Dans les couloirs des résidences médicalisées, j'ai croisé ceux qui refusent de se laisser aller au stéréotype du troisième âge, accroché au déambulateur. Une vieillesse qui regarde l'avenir dans les yeux et refuse qu'on l'assigne à l'hôpital. La première fois, je me suis trouvé devant la secrétaire médicale en bas. Elle commandait un moyen de transport pour moi. Et alors, on lui a demandé l'adresse du patient. Et elle a donné l'adresse ici. Alors, la personne au téléphone lui a dit « Mais il a changé d'adresse ?» Alors, elle a répondu « Non, non, il est résident maintenant. » Et c'est ce jour-là que j'ai appris qu'on me considérait comme un résident définitif, quoi. Ce qui n'est pas mon point de vue. Et moi, je dis à tout le monde que je suis ici en tant que malade, pas en tant que résident, et je ne considère pas l'endroit comme ma résidence. Et je ne le considérerai jamais. C'est un choix familial, une décision familiale, sachant que jusque-là, je vivais chez moi au domicile. Depuis toujours, je ne peux pas ne pas sentir un certain isolement en étant dans cette situation. Je suis même un peu isolé par rapport aux malades, parce qu'il y a un niveau de communication qui est très limité. Je souhaiterais rentrer chez moi si j'y arrive. Demain, je sors pour 8 jours. Ça va être la première fois que je sors à l'extérieur depuis 2 ans. Je souhaiterais évidemment rentrer chez moi. Ce qu'il y a, c'est que rentrer chez moi, alors que moi, je suis devenu totalement dépendant, je dirais, en dehors du moment où je me balade en fauteuil électrique, quand je suis au lit, je peux pratiquement plus rien faire. Maintenant, pour réorganiser les choses en sens inverse, pour un retour, jusqu'à présent, je n'ai pas encore solutionné le problème. Il n'y a pas seulement mon adaptation à moi, il y a l'adaptation de mon entourage. Prendre en charge quelqu'un qui est dépendant physiquement, c'est quand même très compliqué pour l'entourage. Cet entourage familial, qui a tendance à s'effacer dans les structures médicalisées, est remplacé par un autre. Des liens se tissent avec les aidants professionnels et auxiliaires de vie, dont le quotidien intense dépasse largement le cadre du travail. Un attachement se crée avec ce personnel qui devient le repère de ceux qui n'en ont plus. Et j'ai toujours aimé ce contact relationnel avec le personnel soignant, avec lequel je m'entends particulièrement bien. Parce qu'on est dans un séjour ou dans un soin qui dure très longtemps, il y a une sorte de relation qui se crée, malgré nous, malgré eux. Moi, je pense qu'on apporte quelque chose de plus humainement. C'est une famille qui se crée, c'est une petite société. C'est ça la dernière famille, la dernière société, que ça forme un tout qui est totalement porteur de la fin de la vie. Cette fin de vie, comment la vivre ?
C'est enfin l'heure d'utiliser ce temps plus calme, plus contemplatif, plus serein, pour ouvrir un nouveau champ, apprendre, savoir apprécier et saisir l'opportunité de la vieillesse. Je peux regarder ma vieillesse comme cette période de ma vie qui me rapproche de ma mort. C'est indéniable, je vais mourir. À l'inverse, je peux regarder ma vieillesse comme cette période de ma vie qui me sépare encore de ma mort. Il fallait absolument qu'on essaye de s'appliquer à trouver à la fois justement notre rôle et notre fonction dans la société, pour nous-mêmes et pour les autres, qui soit autre que celle qui est véhiculée généralement, qui obstrue complètement tout le reste de l'émerveillement de cette vie dans laquelle on a le droit enfin de se poser un peu, d'ouvrir son regard, d'ouvrir son oreille, d'essayer de comprendre ce que c'est que cette vie. Alors bien sûr, on n'a plus les mêmes envies, plus les mêmes capacités, ça c'est sûr et certain, mais d'autres horizons s'ouvrent. Cette société française qui vieillit peut regarder cette vieillesse comme une chance absolument extraordinaire qu'il nous faut saisir et cultiver. Si la vieillesse est une chance, il faut savoir s'en emparer. Certaines associations proposent des structures d'un nouveau genre, où les personnes de grand âge peuvent vivre en autonomie, ensemble, dans un cadre sécurisant et convivial. Entre le domicile et l'EHPAD, la MSA a lancé par exemple les MARPA, des résidences à taille humaine, qui proposent un accompagnement favorisant la préservation de l'autonomie des personnes âgées, l'occasion de se recréer des souvenirs en commun et de vieillir ensemble. Le grand âge ne nous condamne pas, au contraire. Il est possible de changer de regard et de pouvoir compter sur une vieillesse prometteuse, active, qui a un rôle à jouer dans la société. Moi, je suis une adepte à 300% d'une obligation civique d'une demi-journée par semaine dans les CCAS, dans les centres communaux, de sorte qu'on appartienne à une équipe, on rende des services, on apprenne à faire quelque chose ou si on ne sait pas quoi, avoir une raison d'exister dans le groupe. Je vais peut-être vous choquer parce que moi je pense qu'il faut prendre sa retraite le plus tard possible. Je vous donne un exemple, j'ai 71 ans, et je continue à travailler, je travaille à plein temps. J'ai pourtant 4 enfants, 5 petits-enfants. Mais je pense que c'est très important de continuer tout ce que j'aimais vraiment faire et aussi de se sentir utile. Donc ça, c'est important. Ces initiatives tendent à recréer du lien, à reconnecter la vieillesse avec le monde, en valorisant l'expérience qu'elle a à transmettre. Dans une époque où tout s'accélère à une vitesse incontrôlable, garder le lien avec les autres générations est primordial. Actuellement, il y a même ce qu'on appelle des villages où on refait des villages de gens âgés avec des jeunes. Et ça, c'est vraiment très bien. C'est en fait continuer à avoir une mixité sociale. Vous savez, autrefois, on gardait les gens âgés chez soi. On gardait sa famille, ses parents, ses grands-parents. On ne peut plus parce que les appartements sont trop petits. Mais ça, c'est l'idéal. C'est en fait qu'ils soient présents, qu'ils s'occupent des petits-enfants. Dans cette perspective, il existe en France des structures qui rassemblent les âges de la vie. Une transmission quotidienne autour d'une vie en commun, où les plus jeunes grandissent et apprennent au contact de ceux qui entrent dans leur jardin d'hiver. Ce qui marche très bien, c'est quand, sur ce qu'on appelle les ateliers pédagogiques complémentaires, en fin de soirée, après la sieste, on va proposer à l'école, par exemple, de la physique-chimie, des ateliers de physique-chimie ou des choses comme ça. Là, les résidents participent beaucoup, des ateliers chansons, des choses qui vont être beaucoup plus peut-être du domaine de l'activité que du cours. Si vous devenez dans votre village celui qui une fois par semaine emmène les enfants de l'école primaire, vous connaissez tout le monde, vous voyez du monde, vous n'êtes plus isolé. Les jeunes, les vieux gagneront à se parler. Ils gagneront en image de soi, en identité, en culture, etc. C'est pour ça que vieillir, ça vaut le coup. C'est pour ça que c'est une chance pour soi, une chance pour l'autre, c'est une chance pour moi qui vieillis, et c'est une chance pour lui qui me regarde vieillir.
tout ce qu'ils ont vécu, c'est un trésor infini. Chaque expérience qu'ils ont eue dans leur vie, bon comme des mauvais. Il y a des moments, ils nous racontent tout ça. Et avec un peu de distance, on se sent un petit peu gratifié qu'ils nous confient. Les résidents, eux, sont plus dans une réflexion de fin de parcours. Et en même temps, ils sont aussi souriants. Ils ont envie aussi d'apporter des choses dans le côté partage, de savoir-être. Et il y a de la maturité d'un côté. Et puis de l'autre côté, on a de l'innocence. Inventons pour notre pays des rapports entre les générations qui donnent envie de vieillir. Et c'est faisable si je regarde cette vieillesse personnelle, collective, sociétale, comme une chance qui nous est donnée de saisir. Encore faut-il la cultiver. On s'aperçoit qu'après grands-parents, il y a une autre vie, il y a une nécessité d'ouvrir plus grand vers l'univers. Un univers qui s'ouvre sur ce qu'on n'avait pas remarqué avant. Toi qui me regardes vieillir, qu'attends-tu de moi? Le pire serait que demain nous soyons dans une société qui n'attende des vieux que leur pognon. Maintenant, mon petit-fils, qui est merveilleux, lui, il attend la transmission d'une culture, d'une histoire, d'une langue, de la musique. Oh, mourir, cela n'est rien, mourir, la belle affaire, mais vieillir. Oh.